résumer votre expérience TEDx VDF en trois mots, quelle serait-elle? Je pense que c'est l'expérience qui m'a ouvert l'esprit. C'est deux. L'expérience qui m'a... T'es une gamine, voilà. Non, on a dit trois mots. Non, faisons ça. Ouverture. Oui. Ouverture d'esprit. Great. Great. Challenge. But excited. Okay. Mine would be experience, journey, fun. It was really fun. So take me too? Yeah. Me too, I'm in my head right now. Okay, I'll say experience too. Hey, don't copy. Bro, experience for everyone. Don't copy. Je te jure, je te promets. Je te promets. I think for me it's not like it's not a word. They said a word. Je dirais plutôt c'est comme ça. Mais c'est cute. En fait, ça peut mettre l'anecdote serrée. On va dire ça à la fin. Expérience. Yeah. Découverte de la passion. Ça fait 4 mois. Okay. Donc, expérience, découverte de la passion et je dirais passion. Aisance. Aisance. It was easy for you? Non. Like the outcome was business. Ce que j'ai eu après le TEDx, c'est avoir une certaine aisance de poser des questions parce que j'étais amené à poser des questions aux gens de Mugani, par exemple, parce que c'est eux qui nous ont mentorés. De poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire, sur leur travail, comment faire les choses vite et mieux. Et je pense que ça m'a vraiment. L'expérience TEDx de la francophonie m'a vraiment. Avant, j'étais clairement introverti. Avant, j'étais là en mode ouais, je veux le faire moi-même et tout. Oui, tu étais introverti? Ouais. Oh my god. Ouais. J'étais extroverti. Tu n'es pas ton vice-président? Oh. Pas de l'aimer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je me rappelle, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bro, j'étais introverti, mais par là, j'ai voulu te tuer. Je pense que tout le monde a voulu me tuer dans la cagame, sans exception. Tout le non, monde. Il y avait des gens que tout le monde voulait. Tu veux dire, allez, lui, là, par exemple. À un moment, tout le monde te cherchait. C'est pour ça que vous m'avez aimé. Si je dois décrire l'expérience TEDx en trois mots, je dirais hard work. Ça fait déjà deux, hein. et journey. Yeah, et journey. Hard work and journey. Parce que c'était quand même une expérience assez intéressante, avec un voyage. You know, quitter ce que tu as pu le faire, quitter ta zone de confort, tu vois. Clairement. Rencontrer les gens, créer des trucs, ne pas dormir, ou dormir très tard, se réveiller très tôt. Une nouvelle habitude qui se présentait à toi. Vous n'avez absolument pas le droit de faire partie des gens qui échouent dans leur classe. Je me rappelle que Kat nous disait il y a une raison spécifique pour laquelle on nous a choisis. Donc on se devait d'exceller et dans la gestion du projet. Et en cours. Du coup, si tu viens avec des notes minables là. Et, les gars, je vous pose une question. Vous avez excellé? Oui. J'étais sur le tableau d'honneur. Yes! Wow! More than 3 GPA. I think je pense que c'était pas le même semestre, j'étais dans la division. Moi, j'étais 3.44. Un truc comme ça. C'est la première année. C'est la première année. J'étais pas dans la deal list, mais j'étais à un point de la deal list. Tu peux pas oublier ça. On nous a dit, tu soupes, tu n'as pas le droit de souper ta moyenne. Et puis le truc. How dare you? Il y avait des cours, tu rates pas. 16.50, ouais. Oh my god! Tu n'as pas raté les cours et tu l'as préparé. 16.50, là, je me rappelle. Ça fait partie des anecdotes. Je me rappelle, on était revenus déjà. Où est-ce qu'on était parti? Je me rappelle pas avec qui on était. Mais on était parti quelque part. Et puis on était revenus, les gens avaient déjà pris de l'avance sur nous. C'était après la prière de Isha. Donc c'était
plus de trucs passés. Et ce n'était pas même fait à 22h. On est venu là-bas directement, on est venu, Adam est venu. Kassa. Il m'a énervé le jour là. Déjà truc là, c'est suffi là. Vous l'appelez. Je souffrais moi, avec la technologie. Moi j'étais choqué de savoir que j'avais passé. Je souffrais avec la technologie. Adam est venu le jour là, tac, avant que je n'ouvre mon ordinateur pour faire le GitHub là. Il m'a énervé, c'est fini. Le jour là, je sais pas, tu m'as dit quelque chose et puis ça m'a énervé. Le jour là, je suis restée jusqu'après minuit. Quand je suis rentrée à la maison, on a fermé la porte. Comment tu as fait du coup? Comment j'ai fait? J'ai tapé, j'ai tellement tapé, la propriétaire de la maison est sortie. Rama la tapeuse. Elle a commencé à hurler. Il a fallu que le lendemain, que Kat appelle ma maman pour lui expliquer le truc des retards et autres, parce que ça a commencé aussi à influencer le work study que je faisais du coup. Après, ma maman, elle avait aucun problème avec, ok, travail, gagne de l'expérience, blablabla. Mais like, viens quand même à des heures. Tu imagines, dans notre contexte nigérien, une jeune fille qui vient après minuit, que c'est elle est en train de préparer tête, maman, franchement. I love you. Thank you for trusting me. We love you, mama. Thank you for trusting me. Franchement, je vais. Franchement. Maigri. Tu es là, tu fais le coup. Et puis tout le monde savait que c'était nous. On était sur le terrain, c'est même les professeurs. À un moment que tu regardes derrière, tu vois la team. Franchement, il y avait des coups, les gens choisissaient pour dormir. C'est subtil, voilà, je vais pas mentir. Hein. Moi, c'était ça, subtil, je vais pas mentir. Sérieux, moi, je pense que je l'attrapais à la maison. Non. La question dit partager une histoire en coulisses qui illustre parfaitement la camaraderie et le travail. Une histoire en coulisses. Ouf. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'histoires qui se sont passées avant le main event. Enfin, je définis en coulisses comme ça, avant le main event qui définissait pour moi la solidarité entre équipes et tout. Je pense que le jour J même, même si parfois tu sentais que les gens étaient on edges, les gens quand même essayaient de ne pas trop... Enfin, pour ma part, hein, les gens essayaient de ne pas trop te mettre la pression au point de te break. Les amis, si tu break la projection, là, ça ne va pas passer. Yeah. Tu vois. Mais pour parler de coulisses en soi même, les coussins là, les billets coussins là qu'on avait eu avec les gens. Le X là qui est sorti, on dirait. C'était comme ça. Le piraterie. Bon, là, c'était moche. J'ai ça juste. Donc, toute la team s'est mise à mettre. Non, critiquer là, mais ça va. On a mis les housses et à la fin, le résultat dans l'ensemble, ça allait, tu vois, ouais, ça allait. Donc je pense que pour moi c'est l'histoire partagée. La question c'est une histoire en coulisses qui illustre parfaitement la camaraderie, le travail. Camaraderie, c'est genre où tu vas aller? Ah, vas-y. Alors, moi, je me rappelle, c'était pendant l'événement. C'est genre friendship. Sorry. Ok. Pendant l'événement même, juste avant que ça ne commence, quelques minutes avant que ça ne commence et tout, il y avait un petit couac là qui s'est créé, On savait plus qui rentrait, Il y avait un problème de badge. Il y avait trop de gens. Je sais pas c'était quoi le problème. Mais je me rappelle. Parce qu'il y avait, la team principale et il y avait les gens qui aidaient. Il y avait les Hamadi, il y avait Il faisait partie de la team. Tout le monde. Non. Les gens. La grande team. Je parle de la grande team. Il y avait la grande team qui était là et franchement, comment les gens étaient là en mode, ouais, comment on peut vous aider? Comment on peut faire vite? Comment on peut vous aider? Ça, machallah, j'ai beaucoup aimé. Ça même malgré que j'ai dit les gens ne rentrent pas. Par contre, je ne me rappelle pas que tu as dit ça. Mais la team welcoming. Oui, la team welcoming, merci, c'est là que je parle. Merci, les gens, applaudissez. Franchement. Applaudissez d'abord. C'est la team welcoming du TEDx Village de la Francophonie qui a fait sortir la renommée en termes de welcoming de Eddie l'African Development University. Bouya! Ça, c'est le question. Je devrais faire ça. Ils ont souri. De A à Z.
comme ça. Tu vois, tu regardes les yeux de la personne, sinon tu sens la douleur et la souffrance. Mais tu regardes ses dents. C'est dehors. Mais franchement, ils ont vraiment cassé la baraque. Avec nos partenaires, bien sûr, les parents de la Tifa. Qui nous ont financé. Merci. Je pense que c'est la fin et le after qui m'a aimé. Ouais. La fin où ils étaient tous KO. En fait, je me rappelle, il y avait des gens qui avaient des crampes. Et il y avait le matériel à payer. Et puis on s'est mis à le faire, ouais. L'ambiance. On rigolait, on est resté là jusqu'à 1h. 1h30 passée, tu vois. On rigolait. Il y avait des gens qui tombaient de douleur, on rigolait, on prenait. Ouais, particulièrement Rama, je me rappelle, elle était tombée comme ça. Sur la scène et tout. Le tapis rouge au milieu là, en cuir. Là. C'était un grand ouf. Hein. Yeah. Et on était très contents. On était très contents. On voit faire ça. C'était vraiment. Et puis on avait fait rendre en bas à faux. Et puis on s'est dit, il fallait bien finir. On ne pouvait pas laisser. Mais les gars, est-ce que vous vous rappelez d'une chose? Le lendemain, ça les gâteaux. Non, on a amené les gâteaux, les cadeaux. Les cadeaux qu'on devait mettre au bâtiment. Oh, j'ai oublié. On nous a fumé. Là, c'était juste les graines, le sang du TEDx. Ouais. On avait fait une gâteau. Comment on a pris ça. Je pense que c'était. On était déjà fatigué avec les examens juste après. Et puis ça a pris du temps pour faire, pour faire le gift des partenaires. On a quasiment. Maintenant, quand on a fini par le faire. Boris a décidé de ne pas prendre la caméra. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, j'ai pris mon Samsung. Sérieux? Ouais. Oui. J'ai oublié. Ça fait 4 ans. Sur le chemin, Boris a trouvé une caméra, je ne me rappelle pas comment. Attends, tu l'as oublié ou bien tu as laissé cette caméra? J'ai essayé de ne pas la prendre. Tu dis, bon, c'est des cadeaux, on veut donner, tu vois. Elle n'a pas fini à cause de ça après. Quoi? Le groupe a été fermé. Je me rappelle. Vous vous rappelez de comment Kader nous a invités dans son bureau et tout? Vous vous rappelez de la soirée qui était en plein? C'est la soirée qui parlait sur le pardon et tout. Moi, dès que je suis rentré, j'ai compris qu'en fait, le gars, il s'excusait, ouais, mais indirectement. C'était magnifique, voilà, franchement. On a donné les gifts, on les a remis en. Je me rappelle, c'était Fab, voilà, je me rappelle même de la tenue que je portais. Et puis, tu pars chez certains partenaires, tu dis. Ah oui, c'est pour la photo. Oui. Vous prenez la plus belle et puis allez ce nom. Il y en a, on dit. Non, certains étaient accueillants. Certains étaient pressés, busy kind of. Et puis nous-mêmes, on était fatigués après le tour. Quand on était à Niger, on dit à déjà Adam, on avait juste perdu l'espoir. Il n'allait pas sourire dans les photos. On dit à Soul de sourire. Il fait. C'est le so funny dans ce moment. Mais tu vois, t'as rappelé franchement, je pense après, même aux autres, dès qu'ils faisaient un événement, c'était nous, on le rappelait. C'est important d'être reconnaissant. Et aussi, n'oubliez pas la qualité de l'image et tout. Et la calebasse était devenue moyen célèbre. Mais attends, est-ce que vous savez que le TEDx Village de la Francophonie, on était vraiment avant-gardiste fin. On a ouvert le concept à beaucoup de gens après. Yeah. C'est après que j'ai vu les gens porter des tuniques et tout. Porter des trucs terra et tout. Franchement, il y avait des gens qui portaient ça, bien sûr. Mais je ne sais pas, ou peut-être c'est parce que je ne participais pas trop aux événements. Mais c'était quand même une manière de faire la promotion culturelle de notre patrimoine et de faire ça de façon professionnelle. So you see, it doesn't mean like, quand tu mets terra, là, tu es... villageois ou bien ce genre de choses, absolument pas, c'était juste beau. Il y a une chose dont je me rappelle quand on faisait le brainstorming sur quel genre de gift on pouvait faire et tout. Et puis jusqu'à hier même, je me rappelais de ça, que je sais pas si c'était Bouka qui avait proposé l'idée qu'on fasse un trophée façon avec un X comme ça. Et puis il faut pas que les gens vont penser que c'est quelque chose d'autre, quoi. Et après on avait décidé de faire juste des cadres genre. Use your brain, bro. J'ai un Twitter qui est devenu. That was so evil.
I was using my brain. It's just tired. T'as juste pas compris, je pense. Non, là, j'ai pas compris. Personne n'a compris. Anyways. Purée, c'est gênant. C'est le chromosome X ou quoi? Anyways. Ok, laisse passer. Je me rappelle les tableaux, là. Il y avait ma signature dessus. Oh, c'était une chose jolie. Et le tableau, là, le design que vous voyez, avait fait, c'était l'un des designs les plus créatifs qu'on avait proposé. C'était un truc comme ça. Et qui avait été validé. Soit qu'on nous casse quoi. Ouais. Là, ça a été validé. Ça a été validé. Non, il y avait quelques trucs à changer. C'était le thé. Le thé. Tu vois, avec le thé. Et il y avait les noms qui apparaissaient dans le thé. Et il y avait la signature. Ding, mine, yes, I know. It was nice. Yeah. Ouais. Yeah. C'était le mec qui m'a traumatisé, quoi, vraiment. Réfléchissez à un moment où vous vous êtes surpris vous-même, quelque chose que vous aviez fait ou réalisé et que vous pensiez initialement hors de portée, hors de votre portée. Pour moi, faire la vidéo de CAD était un truc, au début, ça avait l'air un peu fou, mais après, quand tu vois le résultat, tu te dis, ok. Ah ouais, quand même, c'est... Non, la vidéo, elle est sur quoi, c'est surtout, tu vois, on était tous jeunes, étudiants en première année, et tout ça. Et il fallait être en même temps professionnel, Donc tu te forçais, et avec le mentoring et tout, mettre dans un cadre, quand tu allais avec les partenaires, je pense que ça change le mindset. Pour moi, personnellement, je ne pensais pas que j'allais tenir le côté humain. Le côté humain. Ça avait vraiment des interactions et tout. And I was surprised, yeah. J'ai tenu jusqu'à une heure, bien que le after party, j'étais pas là. Sorry. Sorry, you missed a lot. We ate for you though. Yeah, I know. We played for you. We took pictures for you also. C'est ça, en tant qu'étudiant, et après. Il y a aussi après, tu vois, ça change, tu dois garder le rythme. Yeah. Tu dois garder le rythme. Yeah. Tu as le choix même. Et je pense que ça nous a changé. Maintenant, tu reviens, tu as un certain souci du détail, même au niveau de tes cours et tout ça. Je sais pas si on se rend compte, les gars, on a organisé un TEDx village, enfin un TEDx. Le premier du Niger. Ouais. Avec les gens qui... Non, je sais, on l'a pas fait seul, bien sûr. Franchement, je remercie toute la personne qui nous a aidé. Non, absolument pas. Toutes les personnes de loin ou de près qui nous ont vraiment aidé. De près ou de loin, les gens qui ont supporté, les gens qui sont venus participer. Qui sont venus participer, toutes les personnes qui ont été invitées, qui sont les venues. Speakers. Et qui voulaient venir parce que, figurez-vous, puis les gens, je me rappelle parce que c'est moi qui gérais la page et tout. Ouais. Des gens nous écrivaient pour nous dire qu'ils veulent être invités. C'est-à-dire que la hype, franchement, tout le monde a contribué à ce que la hype soit élevée. Je me dis que... Je suis même pas en train d'utiliser, ou bien je ne me rends pas encore compte de l'impact de l'organisation de cet événement-là pour dans ma vie future, franchement. Parce que c'est quelque chose qui est reconnu mondialement et nous avons eu la chance, nous avons franchement eu une chance incommensurable. Big up à Tonton Cad de nous avoir chez Titi et toutes les personnes qui nous ont choisi au poste où nous sommes là, parce que je suis sûr qu'ils les ont fait parce qu'ils savent, ils voient en nous des choses, ils voient en nous peut-être des futurs gestionnaires, des futurs gestionnaires de la Banque mondiale, des futurs administrateurs financiers, le futur Steven Spielberg, je sais pas. Donc sûrement ils ont vu ces gens là en nous et ils se sont dit ok, on va leur donner la chance pour organiser cet événement d'ampleur internationale, et alhamdoulilah, ça a été fait. Yeah. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est merci. Honnêtement, merci beaucoup. Parce que dans mon CV, c'est là-bas. Hein. C'est vraiment là-bas. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler last. La raison décisive, peut-être même l'unique raison, hein, qui m'a donné envie de venir à AGU, c'était parce que j'ai participé à la Journée nationale de la femme. Eh oui, je sais, je me répète, mais franchement, c'est pas. Est-ce que les gens peuvent comprendre une jeune fille, tu vois, 19 ans, qui voulait quelque chose de nouveau, qui voulait quelque chose de nouveau, qui cherchait vraiment à ne pas se limiter, se faire limiter par son genre et tout, ni par les moyens financiers aussi. Mais like, je suis partie à la journée
nationale de la femme qui avait été organisée par nos prédécesseurs, les Obama. Et ce jour-là, j'ai été éblouie. Honnêtement, c'était le jour où j'ai décidé que, voilà, à l'échelle nationale, ça va être juste ADU. Ça va franchement être que ADU. J'ai dit à l'échelle nationale, tout en sachant très bien que je n'avais pas une option pour l'échelle internationale. Donc, voilà. Après avoir vu que toute l'organisation, les sketchs, la planification, le welcoming, l'accueil, oh, et l'anglais aussi qui m'a beaucoup conquise. Mais I was like, this is what I want to do. Voilà ce que je veux faire. Et bouillard, on va. Première année. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Non, l'événement était. Like, it was wonderfully planned and everything. But then, when we got there at ADU, like, as freshmen, it's like the stakes were higher. Definitely. The stakes were higher. So, I mean, we had to perform better. Yeah. We really had to perform to be the last better. Generation. And the Kagame is, we were... The best. We were arrogant, you see. We were arrogant enough to dare to challenge them. Our brothers. Not in like a bad way, like, okay, you're nothing, blah, blah, blah. But like really challenging them into bringing the best we can and actually trying to assess our level too. Donc, quand on est venu là-bas et qu'on a fait le TEDx, et honnêtement, j'ai vraiment pas réfléchi à ça. C'est là maintenant, 4 ans plus tard, qu'on me demande like, quelque chose que tu ne pensais pas pouvoir être à ta portée. Parce c'est clairement faire un événement de la même envergure, de la planification et même voir aller à l'échelle internationale, chose qu'on a faite. So, really grateful for this opportunity that ADU have gifted me with.